Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter des petits pains qu'on va venir frire dans la poêle directement. C'est des petits pains super moelleux, comme vous pouvez le voir. Et ils sont mais tellement bons que vous pouvez même les manger nature comme ça. Ils sont vraiment délicieux et vraiment, j'insiste sur le moelleux, vous voyez, vraiment magnifique. Et c'est le côté super pratique surtout, on n'a pas besoin de four. Donc si vous le souhaitez, on peut passer à notre recette. On va commencer par faire notre pâte car il faut qu'elle ait un petit temps de pause pour la lever. Donc dans ma bassine, je vais mettre 400 ml de lait tiède. C'est vraiment avec des ingrédients basiques, c'est une recette assez simple. Ensuite, j'ai une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel et un sachet de levure déshydratée, comme ceci. J'essaierai de vous mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Voilà, donc j'ai rajouté ma levure aussi. Comme mon lait, il est tiède, je viens mélanger pour que ma levure fonde. Voilà, donc là, je peux incorporer ma farine. Donc j'ai 600 g de farine. Et je vais commencer à pétrir ma pâte. Encore une fois, je l'ai faite à la main et non pas au robot. Car je sais que vous aimez beaucoup quand je vous montre à la main. En fait, c'est pas compliqué. N'ayez pas peur de faire des pâtes à la main. Franchement, c'est assez simple. Il faut juste avoir le coup de main. Mais bon, une fois que vous faites une ou deux recettes, après, vous lavez ce coup de main. Il n'y a rien de compliqué, honnêtement. Donc, une fois que vous avez ramassé la pâte, vous venez donner des coups comme ceci. Vous l'écrasez bien, en fait. C'est ça l'astuce. Et vous faites ça pendant au moins 5 minutes. De toute façon, vous allez voir à l'œil, la texture de la pâte va être beaucoup plus élastique, beaucoup plus souple. Voilà, au bout de 5 minutes, comme vous voyez, ma pâte, elle est prête. C'est une pâte qui est assez souple, mais qui ne colle pas au doigt, comme vous voyez. Mais elle est quand même souple. Donc, ce n'est pas une pâte qui est dure. Donc, respectez bien les mesures. Je l'ai laissé lever une fois que je l'ai recouvert pendant environ 30 minutes. Ensuite, je viens former une boule grossièrement et je vais diviser ma pâte en quatre parties. Je viens la couper. Comme ceci. Et maintenant, je vais rabattre les côtés vers l'intérieur pour former une boule. Vous voyez, on a une pâte vraiment bien lisse. Et ça prouve que c'est une pâte qui va être bien, même après cuisson. Donc je viens faire pareil avec les quatre autres pâtes que j'ai coupées. Voilà. Maintenant, je vais mettre dans une petite tasse un petit peu de lait et dans une autre, une genre d'assiette plate, du sésame blanc. J'utilise du sésame blanc non grillé, mais vous pouvez utiliser celui qui est grillé aussi, peu importe. Donc là, maintenant, l'astuce, c'est que on va venir badigeonner avec le pinceau, notre pâte du lait, comme ceci. Il faut que ça soit humide, en fait, pour que les sésames puissent bien accrocher. Et je viens écraser ma boule de pâte sur les sésames. Voilà, comme ceci, pour qu'il y en a sur toute la surface. Voilà. Et là, vous allez voir qu'il y a du sésame partout, sur toute la surface. Et grâce au lait, ben, ils ne vont pas être décollés, même après la cuisson. Donc là, je vais faire pareil pour les trois autres pâtes. Donc au début, on badigeonne avec du lait. Ensuite, on vient l'aplatir en appuyant sur les graines de sésame. La quantité, comme vous le voyez, je le fais à l'œil, le lait et le sésame. Vous n'avez pas besoin d'avoir des mesures exactes. Voilà. Ensuite, je viens prendre ma première pâte. Elle a quand même eu le temps, 1 ou 2 minutes, le temps de reposer. Donc, elle va s'étaler plus facilement. À l'aide de mon rouleau à pâtisserie, je viens l'aplatir
pas très finement. Je vais vous montrer la texture après. Et on ne farine surtout pas le dessus. Donc on laisse le côté avec le sésame comme il est. Donc ne pas mettre de la farine dessus, juste un petit peu en dessous pour pas que ça colle, mais vraiment très léger. Voilà, donc j'ai étalé ma pâte, la taille d'une assiette à dessert, on va dire ça comme ça. Et l'épaisseur, je dirais maximum 1 cm. Je viens la couper en 4. Après, la forme, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai voulu faire la facilité. Vous pouvez très bien faire des parts de pizza. En fait, vous coupez encore une fois en deux au milieu. Vous en aurez beaucoup plus. Mais moi, c'était suffisant. Donc, j'ai coupé en 4. Voilà. Ils sont comme ça. Donc, on les met de côté le temps qu'on étale et qu'on coupe les autres pâtes. Comme ça, elles ont le temps de se reposer environ 10 minutes. Voilà. C'est vraiment une recette super simple. Ça ne demande vraiment pas de temps. Donc pendant, une fois que vous êtes à cette étape, vous pouvez déjà commencer à mettre votre huile à chauffer dans une casserole. Donc ça va, il faut que ça cuit dans de l'huile pour friture, hein, on va dire ça comme ça. Mais bon, vous pouvez utiliser l'huile de tournesol, hein. Mais je veux dire, il faut une bonne quantité d'huile. Voilà, donc toutes nos pâtes sont prêtes. Mon huile est chaude. Je peux mettre mes pâtes et comme vous voyez, elles vont gonfler à la cuisson. N'hésitez pas à badigeonner d'huile, ça va aider à ce qu'il gonfle plus facilement. Donc bien arroser avec de l'huile la surface. Vous voyez, ça gonfle super vite et ça va cuire très rapidement surtout. Moi j'ai un problème avec ma plaque de cuisson, donc elle met un petit peu plus de temps pour tout ce qui est friture et tout ça. Mais dans une plaque de cuisson ordinaire, ça ira beaucoup plus vite. Voilà, donc on les retourne, on fait frire de l'autre côté aussi. Et comme ils ont gonflé, ben, on a une bosse au milieu pour que les côtés cuisent bien. Donc n'hésitez pas à les mettre un petit peu sur le côté. Là, je vais vous montrer après. Pour que ça cuit uniformément en fait. Ils sont légèrement croustillants quand ils sont très chauds, quand ils viennent de cuire, mais après ils vont être hyper moelleux. Regardez-moi cette beauté, franchement. C'est surtout le côté simple, je pense, qui va vous attirer, et surtout le goût. C'est vraiment très très bon, comme je l'ai dit en vidéo, en début de vidéo. Vous pouvez même les manger nature, quoi, tellement ils sont bons. Et ils sont pas gras, hein, comparé à ce qu'on pourrait croire. Ils n'absorbent vraiment pas beaucoup d'huile, donc c'est pas du tout gras quand vous le mangez. C'est pas écœurant du tout. Au contraire, c'est vraiment très très bon. Donc je continue à cuire toutes mes pâtes. Voilà, regardez-moi cette beauté. Magnifique. N'hésitez pas à les mettre sur du sopalin pour enlever l'excédent d'huile. Voilà, regardez-moi ce moelleux. Vraiment, ils sont vraiment magnifiques. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à reproduire cette recette. Vous ne serez absolument pas déçus. Voilà, donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai hâte de lire vos retours, vos commentaires concernant cette vidéo. Donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, ben, n'hésitez pas à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche. Comme ça, vous serez averti par une notification dès que je publie des nouvelles recettes. Voilà, donc c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Bye bye!